Allô, 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 camarade survivante, c'est Fredo qui vous parle en direct d'une tempête de neige qui m'est tombée sur la ganache sans que je m'en rende compte pendant que j'étais AFK. Avec vous, la dernière fois, on s'est quitté ici et maintenant nous revoilà dans la neige. C'est très joli. Au moins, il y a un cycle de saison. On peut pas enlever ça à ce jeu. Enfin, c'est pas vraiment un cycle de saison parce que c'est des tempêtes en fait. Mais on peut voir la map enneigée et c'est très joli. Bon, je vous avais demandé dans les coms si vous vouliez faire la... J'entends des bruits. Si vous vouliez faire la route avec moi pour monter à Highward, je suis en train de geler. C'est pas très drôle. Vas-y, ferme vite les portes. Qu'est-ce que j'ai dans mon stuff? Parce que là, je vais décéder, là. Ouais, je vais décéder. Merde, ça ne m'arrange pas. J'ai froid. Je vais prendre quelques rags. Ouais, je suis à 35,5. 35,5, c'est froid. Est-ce que je pourrais faire un feu dans ce machin? Ouais, mais... Mais oui, mais le problème c'est que... Ah mais j'ai une hache. Mais j'ai même pas besoin d'une hache. Voilà, des woodlogs. Vas-y, donne. Open. Je peux pas open. Add fuel. Stick pile. Et add fuel. Une fuel source. Ouais, mais j'ai ce qu'il faut. J'ai des ça là. Bougez pas. Pourquoi je peux pas en mettre dedans? Ah mais est-ce que j'ai un briquet seulement? Eh non, j'ai pas de briquet comme un couillon de la lune là. Attends, je vais manger ma pomme. Pour faire un fire drill, je savais faire ça pendant un temps. Après, normalement, le froid dure pas très très longtemps. Hein. Crafting, base building. Je veux pas dans le base building. Équipement, outils, candle, non. Fire drill, est-ce que je peux le faire? Craft item, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il me manque de stick pile untouch? Eh oui, j'ai pas de touch et j'ai plus de stick pile. Je cours. Ah, j'espère que je vais pas décéder, hein. Ça serait dommage. 34,6, c'est froid. Hein. C'est joli quand même. Bon, il y a de la neige, par contre, vous remarquerez, il y a de la neige même sous l'eau. Hein. Ça c'est chouette. Allez, donne-moi des stick piles. Que je me fasse un petit feu. Il y a personne là qui essaye de me tuer, c'est bon. C'est des tempêtes en fait, ça. C'est comme les tempêtes radioactives. Ça arrive sans qu'on s'y attende. J'ai qu'un seul stick pile. Oui, je sais. Oh là là, barre-toi. Alors le fait que j'aille dans l'eau ne change pas grand-chose. Hein. J'ai pas beaucoup plus froid. Hein. Le jeu ne cherche pas absolument la simulation, on va dire. D'ailleurs, je nage. Ah, ceci dit, si je baisse plus vite, 33,5, c'est pas plaisant. Après, à part Bear Grylls, personne se baigne par ça. Ouais, je sais. Il me faut un stick pile, gros. C'est tout. Si j'ai un stick pile, je suis sauvé. C'est bon, j'ai un stick pile. Je vais pouvoir crafter vite. Crafting, un fire drill. Craft. Où il est? Je l'ai pas pris? Pourquoi je l'ai pas pris? Faut que je jette un truc. Je jette une roue. Où il est mon fire drill? Vas-y, arrête de faire le con. Rendez-moi le, salaud. Je vais mourir. 32 degrés. Il me l'a pas mis là des fois, non? Oh, fada, j'ai perdu le business. Puis alors, il a pu rouler partout. Bon, tant pis, je recherche des stick piles. Des petits bouts de bâton. Oh merde, je me suis fait cravater comme un âne. Quoi, y a pas de buisson ici? Arrêtez vos conneries. Du touch, je veux pas du touch. Je veux pas du touch, par pitié. J'ai très froid. Arrêtez. Un stick pile. Bon, et maintenant, si je le fabrique, j'ai de la place pour le ranger. Donc, je le fabrique. Mets-le là, s'il te plaît. Ouais, merci. Vite. On trace à la cabane. Survival. Oh merde. Bravo, survival. Oh, fada. Ça se passe mal. Go. Des stick pile, j'ai plein de... Bah alors ça y est, maintenant que j'en ai plus besoin, j'en ai plein. On fera des arcs. Si on survit à cette vague de froid, on fera des arcs. 32 degrés de température corporelle, c'est pas violent. Franchement, c'est pas beaucoup. Hein, on peut le dire. Est-ce que j'ai faim? Pas trop faim, ça va. Vas-y, ferme. Vite. Merde, je sais plus où il est. Il est là. Check grill.
Ah. Ah. Eh ben, oh. Merde! Oh là là! J'en ai fait une. Mais je suis encore en flamme! Arrête tes conneries! C'est bon, c'est passé. J'étais prêt à sauter dans l'eau. Ah ouais, non, faut quand même. Faut faire gaffe. Il s'est éteint? Non, il s'est pas éteint. Je suis bien. Là, je suis bien. Je vais remonter tranquillement, normalement. Les degrés vont remonter. 32,6. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à manger? J'ai pas grand-chose à manger. Pour faire des flèches, on avait dit, qu'est-ce qu'il me fallait pour faire des flèches? Equipment. Weapons. Calmez-vous, calmez-vous. Ranged. Arrow and bolts. Je sais pas pourquoi ils ont mis les flèches. Les flèches normales, elles sont tout au milieu de toutes les flèches spéciales. C'est celle-là. Il faut. Je vais en faire. Quoi? Ah, il faut 5 stick piles. Ouais, c'est beaucoup. Est-ce que je pourrais en remettre. Je veux pas l'éteindre. Je voudrais remettre du bois dedans. C'est possible ou pas? Mais je remonte un petit peu en température. Doucement, mais tranquillement. On va attendre calmement, tu vois. On va s'asseoir là. Voilà, je vais m'asseoir à côté. Je check. J'ai rien à faire cuire. Mais ça va mieux. 35,2, 35,3. Bon, on a été surpris par une vague de froid diabolique. Normalement, je pense que ça suffit à réchauffer toute la baraque. Je pense. Par contre, je me souviens pas pourquoi je vois pas ce qu'il y a dedans. Need food to cook. Ouais, mais moi je veux pas. Check grill. Check grill. Non, je scroll molette, mais ça ne me dit plus rien d'autre. Bon, là j'ai chaud. Là, comme vous pouvez le constater, je suis bien. Voilà, nickel. Je vais sortir boire un petit coup dans l'eau glacée parce que j'ai soif. Merci. Je rentre instant. Voilà. Profiter de la douce chaleur de ma maisonnette. Qu'est-ce qu'on a de beau à des aviators? Oh, un hunting scope. Est-ce que j'ai déjà des gants? Ouais, j'ai déjà des gants. Par contre, je pourrais les. Ah oui, je suis plein. Je fais ça. Je prends les gants. Je détruis les gants. Et je répare quoi? Ma chemise. Bien sûr. Et je reprends mon huile. Au cas où, en route, on se trouve, on sait jamais, un petit véhicule, on va savoir. Je veux pas boire de la dirty water. J'aimerais bien trouver de la bouffe, mais si j'en trouve pas, c'est pas grave. Bon, contre-temps, des rotten radishes. Non. Bon, vous avez vu, c'est rapido quand même, on n'est pas dans Daisy, hein. Là, je veux dire, tu ramasses deux bouts de bois, un thatch, tu te fabriques un machin pour allumer, tu mets dedans, hop, t'as allumé, après t'attends, il fait beau et tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Des black track pants. Je peux pas les prendre, de toute façon, je suis plein à craquer. Il faudrait que. Je vais pas garder ça sert à rien, c'est inutile pour moi. Où sont les black track pants? Alors, est-ce qu'ils sont mieux? Deux slots. Ouais. Ouais, non, carrément pas que c'est pas mieux. Mais, voilà. Ça sert à faire des rags. Rags qui se retrouvent ici. 20 rags. Ouais, je suis blindax. Bon, est-ce que ça voudrait s'arrêter un peu là, le bordel? Parce que je vais pas rester. Je vais pas rester toute la journée ici. Je regarde s'il y a des trucs à looter ici. Je prends des woodlogs, on sait jamais. Je ne suis pas persuadé que ça me serve à grand chose. Mais, dans le doute. J'ai un petit peu faim. Alors, ça dure un petit peu longtemps. C'est bizarre. J'avais l'impression que les tempêtes de froid, elles étaient plus brèves. Après, je peux tenter ma chance et me barrer en longeant la route parce que par là-bas, je sais qu'il y a une maisonnette. On va faire ça. Allez, go. Tant pis, on prend le risque, hein. On verra. On verra comment ça se passe. Ça vous permettra de voir l'hiver. Voilà, l'hiver sur Miscreated. Ce que vous n'avez pas sur DayZ. DayZ, pour faire l'hiver, ils sortent des DLC. DLC hivernal. Allez go, récupère tout ce qui traîne.
je fais le forain, je prends tout ce qui traîne sur le bord de la route et je galope. Et ma température est en train de rechuter. Ah ouais, non. Voilà, c'est un peu le bordel. Oh là 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 là, ça s'améliore pas. Alors après, le problème, c'est que je sais qu'il y a cette maisonnette là. Combien j'ai de stick pile? J'en ai largement assez pour me faire un allume-feu. J'aurais bien aimé trouver des allumettes. Je suis pas en train de me perdre dans le blizzard. Non, je suis pas en train de me perdre. Là-bas, il y a un pommier hivernal, c'est les meilleurs. Oh là 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 là. Ça chute vite, hein. J'ai pas d'habits adapté, donc forcément ça chute très 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 vite. Est-ce que j'ai de quoi ranger? Ouais, des pommes. Vas-y, donne. Ça va pas là. Oh là. Lui il va m'emmerder. Mais juste. Oh là là. Est-ce qu'il me suit ce coyote? Mais oui, il me suit. Fous-moi la paix. Laisse-moi arriver à la petite cabane. Ouais, là on est dans de la tempête. Oh là là. Là on est dans de la tempête qui est pas plaisante à voir, les gars. Allez, go. J'ai tout ce qu'il faut pour faire du feu. Je sais pas s'il y a une cheminée dedans, celle-là. Je me suis jamais arrêté ici, c'est trop dangereux, c'est sur le bord de la route. Il y a de l'huile. Et l'autre, il va rentrer, il va m'emmerder, non? Oh, je vais le tuer, hein. Lui, s'il me saoule, je le tue. Hein. Et non, il n'y a rien pour faire du feu ici, les gars! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, mais je m'en fous. C'est pas mieux que les miennes. J'ai très froid. Et là, là, ça arrive. Oh, regardez-moi ça! Alors là, évidemment... On va pas chicoter. Et là, on va faire... Non, non, mais je veux pas... Quoi, je peux le prendre en plus du sac? Ah oui. D'accord. J'avais jamais fait ça, les gars. Bon, par contre, la 34-4, comme on dit, ça se passe mal. Hein. Bon, tant pis, je cours. Je vais sortir et je vais tenter. Je vais tenter d'aller plus loin et de rejoindre le groupe de baraques. Je sais qu'il y a un abri souterrain. On y était passé la dernière fois, souvenez-vous. Si j'arrive à rentrer dans l'abri, je devrais pas avoir trop, trop froid. Voilà, on est confronté à des conditions climatiques déplaisantes. Ça, c'est le blizzard, là, les gars. Là. Les calabrais dans le blizzard. Non, mais c'est bien. Et franchement, dans les jeux de survie, c'est quand même bien qu'il y ait ça. Que t'aies une période où il pleuve beaucoup, que t'aies des gros orages, que t'aies une période estivale où t'es chaud et que t'aies une période où t'es froid. J'aime bien ça, moi. Et le jeu, je rappelle, il est quand même sorti un an après DayZ. Hein. Pas plus. Hein. Alors bon, je suis d'accord, hein, c'est pas DayZ. Ok, mais bon... Il y a de la neige, quoi. Hein, il y a des tempêtes, tu gèles, ta température corporelle, elle chute. Bon, après, je suis d'accord aussi qu'on peut, sans aucun problème, nager quand il gèle sans que ça nous tue instantanément. Mais enfin, j'ai des souvenirs sur DayZ de m'être pris une averse d'été par 2 mètres d'altitude vu qu'on était sur le bord de la mer et j'ai gelé. Donc des fois, faut pas exagérer. Donnez-moi un anorak ou un truc comme ça, là, s'il vous plaît. J'ai très froid. Une hachette. Bon, je la prends, hein, je m'en fous. Le bunker est là. On va essayer d'aller se réfugier dedans. Si on peut. Hein. Déjà, on va essayer de pas tomber dedans. Descends, descends vite. 32 degrés, je suis descendu. Là, c'est l'hypothermie totale. Ouais, mais là, je vais geler quand même, non? Non, ça remonte. Ça remonte pas beaucoup. Mais ça remonte. Eh, il y a de la neige ici, les gars. C'est pas beau, ça? Ouais, je sais, je sais. Le jeu n'est pas exempt de tout reproche, mais je l'aime bien. C'est comme ça. Il y a des jeux pour lesquels j'ai plus d'affection. C'est pas que j'ai plus d'affection pour ce jeu, parce que j'ai passé des bons moments sur DayZ, mais DayZ, ils nous ont fait tellement de promesses qui n'ont pas été tenues que je peux pas m'empêcher de les tailler. J'adore ça. Qui aime bien, châtie bien, on a dit. Je veux pas boire de la dirty water, parce que j'ai ça. Est-ce que je peux boire dedans? Ouais. Mais j'ai pas soif. Est-ce que la tempête va s'arrêter un de ces quatre? On peut faire ça, hein. On peut aller de maison en maison.
34-7, ça remonte pas vite. Ouais, ce jeu-là, Miss Created, il n'est pas exempt de tout reproche, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est un jeu quand même, franchement, vous avez vu? Pour le prix, il est pas cher, vous le prenez, vous jouez avec des potes, tout fonctionne, vous pouvez vous amuser. Bah là, ça veut dire qu'il va falloir vous faire une base et vous faire des radiateurs. Avec la petite bouteille de gaz, vous pouvez vous mettre un truc, un brûleur pour vous réchauffer la couenne. C'est quand même sympa, non? Bon, par contre, on perd du temps parce qu'il fait froid et on est obligé de rester à l'abri. Et là, si je me barre maintenant. La prochaine baraque, elle est loin. Ouais. Ouais, mais là, ma carcasse, ça remonte plus, quoi. Je peux drink? J'ai pas trop envie de drink là-dedans. Parce que pour une fois, je suis pas très malade. Après, j'ai des cachets. Ouais, bon, allez, ma température remonte plus. Donc, c'est moi qui remonte. Oh là 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 là, les amis. Permafrost. Non, je blague. On va farfouiller dans les baraques. Je trouverai peut-être un anorak. Il y a des habits chauds. Hein. Ça existe. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Je m'emmerde à fermer les portes, mais ça sert pas à grand-chose. Hein. Franchement, c'est vraiment pour. C'est histoire de dire quoi. Est-ce qu'il y aurait un truc à manger? De l'alcool. Du rubbing alcool. Ouais, mais le rubbing alcool. Ah ouais, après maintenant j'ai du stockage. Donc je peux me permettre de stocker. Watchtower guide. Tiens, bah voilà, maintenant on sait faire une tour de guet. Pas beau ça? Donc à l'heure actuelle, on est une vingtaine sur le serveur. Tiens, je vais les prendre et puis je vais les défoncer. Voilà. Et je vais réparer mes chaussures. Très bien. On est une vingtaine, donc la dernière fois on était aussi une vingtaine et on a vu personne. Je sais pas pourquoi, je sais pas où sont les gens, je sais pas où ils se cachent. Pourtant on est monté en haut là à Hayward, là où on est parti d'ailleurs, on y va, là on est en route pour Hayward. Hein. Bon bah on est stoppé par les conditions climatiques. Après c'est vous qui m'avez dit, hein. Je vous ai demandé est-ce que vous voulez faire la route avec moi. Vous m'avez dit oui, vas-y, on te suit. Je vous remercie pour votre courage. Là, ça va pas être rigolo. Un petit quad m'aurait bien arrangé. Je vous l'avoue franchement. Une roue. Je vais la prendre. Vu qu'on n'est pas trop limité en emplacement. Vous auriez pas des habits à... Oh, ça c'est beau. Un hunting knife. Je vais enlever le marteau. Calme-toi. Et je vais prendre le knife. Une guitare pour se battre, la bagarre. Ouais, je suis gélifié, les mecs. 34-5, c'est la gélification. Oh mon dieu, rends-moi ça. Ça fait froid. Bon, allez, on continue. Let's go, let's go, let's go, let's go. Qu'est-ce qu'il me fallait pour faire des flèches, j'avais dit, moi? Crafting. C'est pas le meilleur moment, hein, bien entendu, pour regarder ça, mais pourquoi pas après tout. Arrow and Bolt. Parce qu'il va m'en falloir plus des flèches. Il me faut 5 stick pile et un rags. Je les ai. J'entends une bête qui proteste à côté de moi. Oh! Sa mère! Putain, il m'a fait peur, cette espèce de connard. Mais barre-toi, toi! Reste dehors, espèce de couillon de la lune. Regarde-moi cette bête. Oh, je le tue. Je tente. Oh, il a fait la téléportation. Ah merde. Ah, il arrive pas à rentrer. C'est différent. Où est mon arc? En 4. Je le tue. Fais pas le malin. D'accord. Ouais, il est un peu téléporté, le gros. Hein.
Je vais passer toutes mes flèches dessus parce qu'il est solide. Hein. Par contre, ça, très franchement, avant la téléportation, ça le faisait pas. Hein. C'est bon, il est Canados. Canados, on prend tout. La pio, le graillon. Et il n'y a pas de barbac? Si, ça c'est des steaks. Est-ce que je peux récupérer mes flèches? Je crois pas. Et non. J'ai plus qu'une flèche. Ok. Là, il n'y a rien pour faire cuire. Mon couteau plutôt. J'ai très froid. Est-ce que je peux manger ça? Du gras? Pas tellement. Les boyaux. Ça va m'empoisonner. Bon. C'est pas grave. Donc là, on a un four. Mais j'ai pas d'électricité. Donc. Ouais, voilà. Donc on a tué un couillon d'ours. Eh ben. Oh, il y a quoi là? Hein? Je sais, hein, pourtant qu'il est dans le secteur. Je le sais. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Ouais, ouais. Il fait froid, il fait froid. J'entends des bruits déplaisants. Bon, on a bouffé toutes nos flèches. Ce qui fait que la prochaine fois qu'il y aura un gros, on pourra pas le tuer. Sauf si on récupère encore à nouveau des stick piles. Voilà, très bien. C'est pas tellement ce qui manque dans l'idéal. Est-ce qu'on va aller à la ferme aux cochons? Je suis pas persuadé. La dernière fois, ça s'était mal passé quand on avait été à la ferme aux cochons. Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Bon, après, j'avais fait le con. J'avais lancé un fumigène aussi. C'est pas très malin. Je ne suis pas toujours très malin. Mais un mec était venu. Une fille était venue. Et elle nous avait tués. Sans déconner, j'entendais pas. Bon, là, le truc, c'est qu'on est très proche... du bunker aussi en haut, qu'on pourrait aller voir. Et de l'avion. L'avion écrabouillé. C'est joli. On va faire ça. Ouais, on va faire ça parce que la ferme aux cochons. Je pourrais trouver à bouffer. Je pourrais trouver une arme. Je sais pas, j'hésite. On y arrive. De toute façon, la ferme aux cochons, c'est ici. Hein. Après, j'ai un couteau. Un couteau pour taper les aides, ça va pas mal. Quoi ça? Ouais, non, mais toi, c'est bon. Viens pas faire le malinos là parce que je vais te déchiqueter la mouillasse. Tu vas voir, toi. Je viens de me faire un ours, mon gars. C'est pas toi qui va me. Ouais, voilà. Tu fais pas chier et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il a? Oh, des allumettes. C'est gentil. Quoi? Ouais, pardon. Allez, on le tente. Tant pis. Ouais, je sais, j'ai très froid. Est-ce qu'il y a du miel? Oh putain, il n'y a pas de miel. Il y a quoi? Un repair kit pour HK45, je m'en fous. Un petit sac à dos, tout le monde s'en fout. Une box, il n'y a rien. On va voir dans les tentes. Allez gros, pour rigoler, juste pour rigoler. Une courroie, ça c'est très bien. Potassium, oh oui. Ça c'est quoi? Un survivotron. Ah ouais, le survivotron, il est carrément cool. Où il est? Où il me l'a mis, mon survivotron? Je le trouve plus. Là, ici. Ah ouais, regardez. Allô? 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 Tu m'entends ou pas trop? Allô? Il y a la merde dans le tuyau. Je ne peux pas m'en empêcher. Bon, on arrête de faire les cons. Donc le survivotron, magnifique. Magnifique mais dangereux. Ok. Non, pas ça. Ça. Search desk. Ok, il n'y a rien. Je continue ma route. Il y a deux tentes. Je vais faire les deux. La dernière fois, il y avait un 12 ici, c'était cool. Une flashbang. Oui, je la prends, je la lancerai. Oh oui! Oh putain, un shotgun. Magnifique. Quoi? Ah merde. Eh ben, mais j'ai pas besoin de ça, j'ai ça. Ok.
Alors là maintenant, est-ce qu'il est armé? J'ai mis des balles dedans, faut que je mette des balles. J'ai une balle. Oh oui, ça, une balle, c'est chouette. Des chargeurs de Makarov, magnifique. Ok, là il n'y a que dalle. On va juste aller voir, vous savez quoi? On va juste aller voir s'il y a un quad. Des fois, il spawn par ici. Ici, il y a du miel. Et là, il n'y en a pas. C'est pas joli, ça, les gars. J'appelle les secours. Oh, un Z. Et là, il n'y a rien. Est-ce qu'on lui tire dessus pour rigoler à lui? Non, peut-être pas quand même. Là, c'est quoi? Chargeur de 5,56. Vas-y, je prends. Je trouverais un endroit où il y a un barbecue ou un truc comme ça, je pourrais me faire à manger. Parce que j'ai de la viande. Ça y est, le voilà. C'est quoi ça? Des graines? J'ai pas besoin de graines. Peux pas lutter, tu peux pas lutter, gros. J'ai faim. J'ai très faim. Allez, on repasse en première perse. Ouais, le quad d'habitude il est là. Donc ça c'est des ruches. Une metal pipe, j'en ai mes fichtres airs à faire. Et si on balançait ça? On la balancera dans un bunker. Ok, on continue notre route. On va monter. Juste pour vous faire faire le tour du tourisme. De toute façon, il fait très 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 froid. J'ai un peu soif. Oh! Oh, qu'est-ce que tu fais? Y a quoi là? Ça va? How are you? Je tente. Je tente la discussion. C'est pas nécessairement le truc le plus malin que j'aurais pu faire, surtout que j'ai froid. Oh, t'es là? Je pourrais me faire tuer. Ça se serait déjà vu. Oh là 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 là. Bon, si ça se trouve, il avait peut-être pas plus d'armement que moi. C'est possible, hein. Après, j'ai une balle, hein. Faut pas que je me déchire. Si ça part en bagarre, les gars. Si ça part en cacahuète, faut pas que je me déchire. L'avantage, c'est que je l'ai vu avant qu'il me voie. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut pas que ça soit lui qui me voit avant que je le voie. C'est le secret de la réussite. Donc, je vous racontais la dernière fois l'anecdote de l'avion. Donc l'avion qu'on pensait être une légende urbaine avec Jay. Donc, une fois il se balade et il longe cette route. Je pense que je suis sur la bonne route. J'espère que je dis pas de conneries. J'ai pas l'impression. Je la reconnais pas. C'est bizarre. Je me demande si je suis sur la bonne route. Ah ouais, peut-être, peut-être. C'est après. Et donc sur le bord de la route, il est tombé sur des débris. Des vieux débris. Des sièges. Des tout ce que vous voulez. Et il y avait un avion. Un avion écrabouillé. Oh merde, il y a une maison. Juste ici. Je vais décéder. Moi, j'ai même pas. Putain, dans la précédente game, j'avais des hit packs. En veux-tu, en voilà. Et là, j'en ai plus un seul. Je prends tout. Oh putain, les loups.
Ouais, c'est le coin des loups ici. Oh là 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 là. Faut tuer le blanc. Si tu tues le blanc, tu peux t'en sortir. Eh merde, moi je vais pas m'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais si mal? Parce que j'ai trop froid? Eh ouais, 32 degrés. 32 de camp. Foutez-moi la paix, bande de couillons, j'ai tué un ours. Pas vous que j'allais m'emmerder. Voyez ça, c'est des bouts d'a... Vous m'aurez pas. Ça, c'est des bouts d'avion. Laissez-moi. Je vais aller voir l'avion. Non, je vais pas réussir à aller voir l'avion. Je suis désolé, les gars, je suis désolé. J'arriverai pas à vous le montrer. Je suis triste. Je suis triste pour vous. Eh ben, c'est pas grave. Vous savez quoi? Vous achetez le jeu, vous investissez 10 balles, vous achetez le jeu et vous prenez ce chemin juste en face de la ferme au cochon qui monte et vous verrez. Vous verrez de vos propres yeux. On va respawn, on va pas se laisser abattre et on va voir où on respawn. Par contre, on était parti pour Hayward. Et là, suivant où on va respawn, Hayward, ça peut être Tandax. Je sais pas, je dis ni oui ni non. On va voir. Par contre, là, je respawn en plein hiver, les gars. Oh, on est au dîner. Ok, je sais très bien où on est. On est entre Pinecrest et Brightmoor, donc on est sur la route principale. Je sais pas si vous vous souvenez, là-bas, c'est là où on avait vu la police. Un peu plus loin, là-bas. Donc on va galoper au dîner. On va essayer de trouver les trucs basiques. Qu'est-ce que j'ai, là, pour... Putain, mais jette-moi ces putains de lunettes de con, là. Où elles sont? Là. Voilà. C'est quoi, ça? Oh, un police bâton, ça, c'est bon. Voilà. Avec ça, on peut faire la bagarre. On va faire la photo. Ouais, bon, on va faire la photo de rien du tout parce qu'on va se geler. Et on va être bien content quand on sera gelé, les amis. Pourquoi il n'y a pas de mob ici? D'habitude, il y a toujours des mobs. C'est pas beau, ça, ce petit décor, là. Sans rigoler. Du sel. Bah ouais, on sait très bien à quoi ça sert, le sel. Si on trouve de la barbac, on est... Et quoi, là? Non. Search. Du sel. J'ai pas envie de me gaver de sel non plus. Ok. On n'a pas été faire le... Je vous ai pas fait faire la petite... Oh, un briquet. Putain, ça, c'est chouette. Je vous ai pas... Oh, putain, c'est encore plus chouette. Je vous ai pas fait faire la petite visite de Brightmoor non plus. Oh, des pilules de potasse, man. D'accord, donc ça donne de la résistance aux radiations et aux radiations et aux radiations. Ce qui est normal, c'est du potassium. Encore du sel? Vas-y, je le prends, je m'en fous, j'ai un sac à dos géant. Ouais, les gars, la neige va fondre. C'est fait. On va aller faire un tour au manoir de Trump. The Trump's Manor. C'est une maison cossue, je l'appelle comme ça. On avait décidé de l'appeler comme ça parce qu'elle est très cossue. Je pense que ça va fondre. Si ça commence à flotter et que le soleil sort, normalement on est bon. Ça serait mieux pour moi parce que là, pour le moment, je souffre. Ah ouais, alors bon, par contre, je suis désolé hein, pour la transition. C'est bref. Hein. Nous voilà au manoir de Trump, les gars. Des gants. Non, mais je veux pas crafter. Foutez-moi la paix. Les clous, ça m'intéresse pas. Et là, il n'y a rien. Ok. Alors, il y a un joli sous-sol avec un truc qui fait peur. Quand on rentre, hop, lui, là, tout le temps. Lui, là, il fait chier. Là. Parce qu'à chaque fois, tu crois que c'est quelqu'un et c'est pas quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'il va me falloir? Hop, on répare direct. Ah, un lever jacket, ça c'est bien. Je pense que je vais le mettre. Je peux pas le mettre à la place de ça. En plus de ça, non, je vais le mettre là comme ça, c'est pas grave. Voilà, il me tiendra un peu plus chaud. Et ça, ça va partir en rags. Merci pour eux. Ok. Donc un petit tour au manoir de Trump, on saute dans la piscine, on nage,
Voilà, on fait la petite traversée, c'est la classe. Voilà. Nickel. On est bien là. On prend les escaliers et on sort. Il y a des pommiers autour. Il y a peut-être des gens aussi qui pourraient venir nous emmerder la vie. On a un barbecue, mais on n'a plus rien à faire cuire. C'est dommage. Hein, ouais, c'est ouvert, donc ça veut dire qu'il y a du monde qui est passé. Alors, quand vous mettez l'électricité, ben là, vous appuyez et ça s'allume. C'est magique. Je pense qu'on va trouver que dalle ici. Ouais. Non. Je veux pas des lunettes en plastoc. On va aller voir, vous allez voir, c'est assez... C'est assez cossu comme truc. Un peu ruiné, mais assez cossu quand même. Non. Il n'y a pas d'eau dans les toilettes. On pourrait avoir peut-être quelques habits. Ouais. Là, normalement, vous pouvez monter sur le toit. Si je dis pas de conneries. Voilà, c'est ça. Vous montez sur le toit pour observer les alentours. Alors, par contre, faut pas faire trop le con, quoi. Parce que si là, vous prenez une gamelle, vous êtes pas content. Ok, bon. Bah voilà. Voilà, voilà, voilà. On est bien. Search box. Ça, c'est quoi? Des baskets. Non, mais c'est pas mieux que les miennes. On va... Oh. La bête. La bête, il a une sale tête. Fais voir. Je peux pas le prendre. Je me demande si je pouvais pas le prendre. Oh, une barre de chocolat. Ouais, mais alors attention. Poison. Non, pas poison. Consume. Merci. Des rags. Des rags, des baskets. Américaines, la classe. Ouais. Encore une chocolate bar. Oh, magique. Magique, mais par contre là, le... Oh, bien sûr. Tiens, tu me vires cette casquette de Clodo. Est-ce que je peux la détruire? Bien sûr. Et tu mets ça sur ta tête maintenant. Et avec ça, je peux réparer quoi? Des habits. C'est très bien. Ok, bah vous savez quoi? On va... Dans le prochain épisode... Alors, on était parti pour Highward. Et bah finalement, changement de plan. On va partir pour Brightmoor. Par contre, Brightmoor... Il y a beaucoup de chances qu'on fasse pas carrière à Brightmoor. Parce que Brightmoor, c'est quand même assez animé. Mais, allez savoir. On va essayer de ramasser une pomme ou deux en route. Et puis, bah, ouais, si ça vous tente, vous me dites. Hein. On se retrouve sur Brightmoor. Ou alors, si vous préférez, on zappe Brightmoor. Et je me rapproche en off prudemment de la ville de Highward. Si vous voulez voir Highward, vous me dites pareil. Hein. Soit on continue de faire la route tous ensemble, comme des pauvres clodo. C'est quoi ce truc? J'ai pas d'arme, moi. Ah, c'est le chien à deux têtes. Ferme-la, il est con comme un manche, ce chien. On dirait un steak haché. Il fait mal hein, par contre, faut faire gaffe. Hein. Il peut me déglinguer là en rien de temps. J'ai pas une arme? Mais si, j'ai une arme, je suis con moi. Viens là, tu vas voir. Viens là, chien de ta mémé. Voilà. On récupère du steak, de ça. Je récupère tout, je m'en fous. Ça sera cadeau pour le mec qui va me tuer. Si j'ai soif, il y a une fontaine en haut. Ouais, bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas grave. Bon, vous me dites, les gars, d'accord. Soit on fait Highward. Après, le problème, là, si on fait Highward, c'est que... Après, on va reprendre l'autoroute. Et ça, on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble, ce bout de chemin. Bien entendu. Donc, ça peut être un peu chiant pour vous. Ou alors, sinon, bah voilà, soit pas Highward, je veux dire, soit on fait Brightmoor, pardon, excusez-moi, je ne sais plus ce que je dis, soit on fait Brightmoor tous ensemble, on visite un peu Brightmoor et après on monte, mais on prend l'autoroute que vous connaissez, soit je le fais discrètement et j'essaye de me rapprocher, et on se retrouve, vous me dites dans les commentaires, si vous me dites rien dans les commentaires, vous inquiétez pas, je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire exactement ce que j'ai envie de faire. Donc je vais vous dire, portez-vous bien, à la prochaine, s'il neige, mettez un bonnet, IRL, on risquerait bien d'en être pas bien loin de la neige, oh là 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 là, une grosse baraque. Allez, à la prochaine.